Oui, elle est pleine de grâce, belle et élégante, mais son reflet dans la glace l'a rendue si différente des autres. Elle se sent mise à l'écart du dégoût et les sentiments qu'elle peut lire dans le regard des autres. Elle se sent si seule, si laide, si elle gueule et s'isole, c'est qu'elle s'est demandé de l'aide entre autres. Elle fait partie de ces filles mal dans leur peau, ses yeux qui les fusillent pour quelques kilos en trop. Ses yeux qui la crugent lui font croire qu'elle est difforme. Tous ces regards qui la jugent, qui l'ont rendue non conforme. Elle ne cherche plus à plaire, bêtement. Elle cache ses rondeurs derrière ses larges vêtements. Peu féminine, complexée par son physique, devant ses magazines et ses filles anorexiques. Son poids est un crime, terrifiée par la foule. Elle multiplie les régimes afin d'entrer dans le bon moule. Effet yo-yo, elle galère, tel est le salaire pour soi-disant faire partie des gens normaux. Elle a perdu toute confiance en elle, elle qui a cru que l'apparence pouvait suffire à être belle. On fait semblant d'être heureux, de sourire pour se sentir mieux. On se déguise, s'idéalise, la perfection qu'on veut. On fait semblant d'être heureux. On se déguise. Enfant de quartier populaire, là où la violence prolifère. Fils d'une famille ouvrière, il a grandi dans le besoin. La pauvreté, il apprend comme une faiblesse, vie précaire. Mais par respect, il dira qu'il n'a jamais manqué de rien. Il fait le Tommy, sa vie une contrefaçon. Emporio Armani, Versace, Gucci et passons. Faire semblant, il se l'est imposé, roulant merco et dormant sur un lit superposé. Joue les mecs classe, flambe au quotidien, s'amuse à payer pour les gens pour faire montrer qu'il est en place. Quant à l'autre, il est son opposé, enfant modèle, prix Nobel, issu d'un milieu aisé. Oui, sa fille la déteste sous prétexte que ses parents ont toujours tout fait pour l'apaiser. Enfant rebelle, se construit un personnage, traîne avec Kamel pour façonner son image. Bourgeois, délinquant, ayant pris trop de baf, emploie des mots en verlan pour ne pas passer pour un blarf. Faire le show l'a rendu important, ce n'est qu'un bobo en croco, tout ça pour le regard des gens. On fait semblant d'être heureux, de sourire pour se sentir mieux. On se déguise, s'idéalise, la perfection qu'on veut. On fait semblant d'être heureux. On se déguise. Ils veulent devenir des icônes pour que les gens les aiment. Seins en silicone et piqûres au collagène. Ils se font la guerre, chassent les préjugés, s'agrippent à des critères par peur d'être jugés. À toutes ces femmes qui se montrent pour s'aimer, à tous ces hommes qui se cachent pour pleurer, toutes ces personnes qui ont des choses à se prouver, qui se cherchent pour ne pas se retrouver. C'est vrai qu'on se sent mieux grâce au regard des gens, c'est vrai qu'on se voit beau dans le regard des gens. La morale est que peu importe le problème, avant d'être aimé par les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. On fait semblant d'être heureux, de sourire pour se sentir mieux. On se déguise, s'idéalise, la perfection qu'on veut. On fait semblant d'être heureux. On se déguise.